Coucou à tous, c'est Krim. Pour changer, je viens de me rendre compte que mon micro ne marchait pas. Voilà, je viens de l'activer. Normalement, là, vous devriez m'entendre. Je recommence. Coucou à tous, c'est Krim. J'ai laissé Indy se reposer un petit peu dans la jungle après toutes les péripéties qu'il a eues hier soir en découvrant les premiers pièges du temple. Et j'ai décidé de venir voir un petit peu où en était Lola, donc dans le challenge Single Sims Challenge. Il y a eu un petit peu de mise à jour, c'est-à-dire que... Non Julien, c'était pas toi, c'était moi. Il y a un peu de changement au niveau des règles parce que j'ai contacté la créatrice du challenge pour lui demander comment ça se passait pour les factures parce que ça fait quand même plusieurs jours qu'on est dans le noir, qu'on n'a plus d'eau, enfin c'est bien... C'est plus un single sim challenge, c'est un apocalypse challenge quoi. Je l'ai contactée, je lui ai demandé comment ça se passait et donc elle m'a confirmé qu'elle allait faire une mise à jour des règles et qu'on pouvait très bien utiliser un des parents pour aller payer les factures et pour d'autres tâches comme laver le chien, embaucher une femme de ménage, etc. C'est pour ça que j'ai demandé au père d'aller régler les factures et que je suis repassée sur Lola. On va le laisser aller payer, ça va permettre de remettre la lumière partout dans la maison. Nous, on va un petit peu finir de s'occuper de Lola. Il reste quand même pas mal de jours. Je crois qu'on a largement fini toutes les tâches du stade bambin, ça c'est plutôt bien. Allez, on va le laisser... On va laisser le père aller payer, parce que là, ça commence à devenir... Il sent le fennec à 15 bornes, enfin, c'est compliqué, là. Voilà. Et donc, nous, on en est où? Eh ben, nous, on a plus que la réflexion. Eh ben, écoute, tu vas bosser un peu, hein, mon chou. Alors, c'est une forme. Voilà. Donc c'est bien, il reste combien de jours? Ah quand même, il reste 15 jours, on est large. Du coup, j'aurais bien fait grandir Lola avant la fin du... Mais bon, vu que je peux pas me préparer de gâteau, c'est compliqué. Je ne peux malheureusement pas fêter mon anniversaire en avance, puisque je n'ai pas de... Les bambins ne savent pas cuisiner. On va accélérer un petit peu, c'est pas franchement passionnant. Oh, c'est beau l'électricité quand même. Puis ils vont pouvoir aller se laver. Moi aussi, ils vont pouvoir me laver. C'est bien. Elle va prendre une douche, mon petit. Tu te sentiras mieux. Ils sont pas en forme, hein, quand même. Hein. Attendez, parce que j'ai désactivé l'autonomie sur une autre de mes parties. Je vérifie juste que sur celle-là, elle y soit bien. Ouais, c'est bon. Sinon, si on leur laisse pas l'autonomie, ils vont mourir. Hein. Allez, c'est parti. Ça va être pas mal. Elle va être full compétence. Elle est amie avec tous ses parents. On va pouvoir... Il y aura plus qu'à attendre. En espérant qu'ils me nourrissent. Ah, tiens, d'ailleurs. On va essayer de se faire donner un bain par quelqu'un. Ah, lui, tiens, quand t'auras fini d'aller à la douche, ce serait bien que tu me laves. Non, mais il y en a un d'adulte là. Toi, tu veux pas. Voilà. Il dort, c'est ça? Il s'est endormi dans le bain, mais quel boulet. Sérieusement. Mais réveille-toi! Ah, c'est mort, effectivement, je peux pas demander de bain. Il n'y en a pas un qui va me nourrir non plus. Je sais pas comment je survis en fait dans cette famille parce qu'ils me nourrissent. Enfin, faut que je quémande pour être nourrie, je quémande pour avoir un bain. C'est compliqué quand même. On va attendre qu'il se réveille. On va changer le lavabo. Voilà. Ah, c'est ça qui était bien quand il n'y avait plus d'eau, c'est qu'on n'avait plus de fuite. Hein, puisque. Ah, pas d'eau, pas de fuite. C'est le principe. Alors. Ah, c'est bien, là, avec l'image, on dirait que j'ai un plum bob au-dessus de ma tête. C'est mignon. Ah, ça y est, la mère est réveillée. Eh, donne-moi un bain. Vire ton mec de la baignoire. Et lave-moi. Elle va dire qu'elle peut pas. Parce que
plus, il y a l'autre dedans. Ah, c'est bon. Allez, on sort, monsieur. Il n'est pas lavé encore. Il y a 10 jours qu'il est dans le bain, mais il n'est pas propre. Ah bah voilà, elle m'a lâché. Sans déconner. Bah tiens, viens, t'es plus près de la baignoire. Bonjour, je voudrais qu'on me lave. S'il vous plaît. Ah quand même. Ouais. Après il va falloir se battre pour avoir à manger. Ouais. Allez, c'est parti. Voilà. Magnifique, je me sens toute propre. Maintenant je voudrais manger. Allez. J'en ai pris, c'est le bazar. Faudrait quand même que je leur fasse embaucher. Demander à manger à toi. Voilà, super. Bonjour. Je voudrais mes cornflakes, ma purée ou mon sandwich au beurre de cacahuète, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'ils vont me servir d'équilibré aujourd'hui? Des biscuits! Mais oui, bien sûr! Allez, on mange. Donc je rappelle, hein, dans le Single Scene Challenge, je ne peux contrôler qu'un seul Sims du stade bambin au stade personne âgée. Donc j'ai des tâches à effectuer que j'ai déjà faites. Alors, deuxième étape, trouver quelqu'un pour me descendre de la chaise. Hop. Toi, tu veux bien m'aider là? Quoi? Oh, pardon. Donc, voilà, maintenant il faut trouver quelqu'un qui veuille bien me descendre. Bon, bah, visiblement. Voilà, je pleure, ça veut dire que je veux descendre de la chaise haute. Youhou! Je leur fais des grands signes, ils s'en fichent. Ouais, c'est pas mal comme challenge, moi j'aime bien, je vais. J'ai demandé à l'auteur aussi si je pouvais traduire les règles pour le forum, donc elle m'a dit oui. Du coup, j'ai commencé à traduire les règles en français. Je pense que je les posterai aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui ou demain sur le forum, pour comme ça tout le monde pourra en profiter. Et puis c'est sympa quoi. C'est pas trop difficile pour l'instant parce que finalement on s'occupe que d'un seul Sims. On laisse les autres vivre leur vie, donc. Je trouve que c'est plutôt facile et voilà, c'est un peu frustrant parce que surtout au stade bambin on peut rien faire et ils sont pas très coopératifs pour nous aider. Donc je me suis déjà retrouvée coincée sur la chaise haute pendant qu'ils sont tous ils se sont tous barrés dormir. Mais je pense qu'après au niveau des. Quand je vais commencer à devenir enfant et ado, ça va être un peu plus simple parce que j'aurai beaucoup plus d'autonomie, j'aurai beaucoup moins besoin d'eux. Et puis voilà quoi. Ah, il n'y a pas un troisième point. Non mais Tom, tu as un lit, tu sais, tu as un vrai lit. Qu'est-ce qu'elle voulait? Frapper un animal en peluche, pourquoi faire? Ah oui, ils me donnent des biscuits aussi. Alors, tu leur fais un lit double, machin et tout, et ils viennent dormir dans le pouvis du gamin. Qui a rien demandé. C'est les Sims quoi. Ça fait ce que ça veut, quand ça veut, et puis tu te débrouilles avec. Alors, j'ai sommeil. Allez, on va aller dormir. Hop, dormir. Non, si tu pouvais bouger de mon lit, s'il te plaît. Allez, bouge. Bouge ton boule de là. Bon, bah, ouais, si tu veux, je m'en fiche, ça m'empêche pas de dormir. Et alors le challenge dans le challenge, c'est de faire qu'ils aillent tous au lit en même temps pour accélérer le rythme. Mais ça n'arrive jamais. Voilà. Donc c'est un petit peu mon but dans la vie, les faire dormir tous en même temps. Mais ils sont pas très motivés. Pourquoi il va pas dormir? Mais tout le monde dort sauf lui. Eh ben non, il n'y va pas. Pourquoi faire? Pourquoi faire?
Allez, va te coucher. Oh, putain, c'est pas possible. On va profiter, on va aller faire pipi. Je vais faire pipi dessus et je suis pas sûre qu'il y en a un qui veuille bien me changer. Donc le temps qu'il aille au lit, tous les deux autres vont se lever. Il m'énerve, ce Sims, il m'énerve. Mais laisse-moi tranquille, va dormir, je te dis. Je t'ai pas demandé de me prendre dans les bras, je t'ai demandé d'aller dormir. Bon bah regarde-moi dormir si tu préfères. Fais-toi plaisir. Non, je peux pas aller plus vite. Ah, ils ont bugué. À tous les coups. T'as bugué, non? T'as pas bugué? Ah, si t'as bugué, sauvegarder. C'est bon là, non? Mais va-t'en! Ah non, mais pas toi, lui! C'est pas possible. On va le déboguer, hein. Voilà, t'es débugué là. Non, il veut me regarder dormir, d'accord. C'est pas grave. Oh, ils sont tous au lit en même temps! Ouais! Et ben voilà, c'est fini. C'est... Les miracles, ça dure pas longtemps. Pff, les joies simples de l'existence. Les quatre, ils nous dorment en même temps. Ouais! Alors. Bon, moi j'ai faim. On va attendre qu'ils se réveillent, les deux autres là-bas. Parce que je sens qu'ils vont rien me donner à bouffer sinon. Hop, il est parti. Il se balade. Il est content. Il va aller s'animer. On est dimanche, il n'y a pas école. Ah, c'est bon, elle est réveillée. Hop, demander à manger à Julia. Ah, il faut que je me réveille peut-être. Hop, tu vas faire pipi après, ma grande. D'abord, tu donnes à manger à ta fille. Alors. Allez, on y va, on est parti. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'elle va me préparer de mauvais à manger, elle? Des biscuits au fromage. Voilà, magnifique. Toujours équilibré, toujours pas trop sucré. Qu'est-ce que c'est? Eh, vous commencez à me coûter cher en électroménager, les gars. Voilà. On va faire trouver quelqu'un pour me descendre. Ouais, elle est ici. Ah, t'es déjà réveillée, toi? Eh ben, merci. Et allez, on va retourner avancer les compétences. Alors, hop. Mais pourquoi il vient m'embêter? Mais va te détendre ailleurs. Ah, ils sont chiants. C'est ça, par la maman. Alors. Bon, c'est pas mal, ça avance. Ouais, tous dans la chambre. Allez, soyons fous. Pourquoi je n'ai pas la barre? Parce que je n'arrête pas de me parler, mais laissez-moi tranquille. Je me suis trompée peut-être, non? C'est une forme. J'ai fini, je suis au max? Ah bah non, c'est juste que j'ai pas la barre qui s'affiche. C'est pas très grave. Il va falloir que j'aille aux toilettes. Ah mais si, elle est là. Elle... Oh là là. Excusez-moi, je raconte n'importe quoi. C'est mon côté blonde de ça. Voilà. Non, laisse-moi, j'ai encore des choses à... Mais arrêtez de me parler.
reste. En plus, j'ai fait à côté. Ah. C'est bon, ma compétence sociale est au max. Je n'ai pas besoin que tu me parles. Allez. Hop. Allez, on va avancer un petit peu. Allez, j'ai dit on avance. Combien de jours il reste? 14 quand même. On est à la moitié. Ouais. Je sais pas si je... Non, je peux pas les persuader de me faire un gâteau. Ma force de persuasion n'est pas assez forte pour ça. C'est dommage. Bon bah allez, on va aller dormir. Finira demain. Hop. Non mais c'est pas la peine de venir me voir, je vais dormir. Fiche-moi la paix. Bon bah il... Non mais le père décidément il veut pas dormir dans le lit. Ça le saoule. Il préfère dormir dans le lit de son fils. Voilà. Personne, on s'en fiche, persévère. Voilà. Allez. Ah, sinon, réveille ton père, hein, d'aller dormir dans son lit. Hein. Je sais pas ce qu'il fiche. Chambre à part. Il veut pas. Ah, bah, va dormir avec ta mère, écoute. Hein, je vois que ça. Hein. Ah, bah voilà, regarde, il te laisse la place. Allez, tout le monde au lit. Attends, je vais aller manger avant qu'ils aillent se coucher parce que sinon, j'aurai pas à manger. Allez, mère, elle a l'air moins occupée. Pourquoi je suis triste? Je sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Des chips! Normal. Vous voulez pas me donner les petits pois, un truc comme ça? Non, des chips, bon. Repas du soir, normal. Allez, c'est bien, merci de m'avoir descendu sans que je demande. Mais moi je vais dormir et vous feriez bien d'en faire tous autant. Allez, oui. Allez, on y est presque, il en manque plus qu'un. Toujours le même. Pff, arrête de faire le ménage et va... Ouais, youpi! Ouais, il est 23h et ils sont tous au lit en même temps. Accélérer un peu le rythme là parce que. Il y en a un qui se lève déjà. Pff, ça, c'est pas possible. Ça aura duré 3 heures. Ce fut bref mais intense. Peut-être elle va retourner se coucher. Bah non. Elle a pas l'air. Elle a pas envie. Dormir c'est pour les faibles. Allez, allez. Allez. C'est un peu long quand on peut s'occuper que d'un seul Sims et pas des autres. Voilà, quand même des grosses périodes où on sait pas trop quoi faire. Allez. Il a encore tout cassé. Bah oui. Il me coûte une fortune, ces gens. Alors, je vais pas partir dans la vie avec un gros pécule. Hein. Non, ça dure pas longtemps, malheureusement. Rapidement, il y en a toujours un qui se lève, on ne sait pas pourquoi, au milieu de la nuit. Bon, bah, moi, je vais me faire pipi dessus, moi. N'oublions pas que personne n'est là pour changer... Ah. Est-ce qu'elle peut me changer la couche, la dame? Amical, enfin canin, là c'est de mauvais trouver, plus que je vois, regarde. Non, elle va pas me changer. Bah non, tant pis. Faudra que je demande un bain quand je serai sale. Bon, elle va peut-être me donner à manger, comme ça ce sera fait. Allez.
Ça court vite un bambin qui a 5 de compétences en mouvement. Elle est partie où encore? Allez, allez. Donne-moi des chips, un hamburger, ce que tu trouves. Et puis après, ce serait bien que quelqu'un me donne un bain parce que ça commence à sentir le fennec par ici. Ouais, on marque des céréales au petit déjeuner, c'est cohérent. Mieux que les frites du soir quand même, hein, parce que c'est pas terrible les frites, les chips pardon. Bon, après, hop, demander un bain avant qu'ils aillent travailler. Voilà. Je sais pas à quelle heure ici ils travaillent. Voilà, je suis prête. Allez, on va aller bosser un peu la réflexion. Puisqu'il manque que ça, c'est parti. J'adore cette petite robe, je la trouve trop mimi. Alors, allez, on va accélérer un petit peu. Quand j'accélère, ça revient en lecture normale. Pourquoi? Allez, hop, hop. Allez. On y est presque. On va être à 4 sur 5, je crois. Le courrier. Attends, on va aller payer les factures tout de suite. Hop, viens ici, toi. Payer les factures. Voilà, comme ça. Rien de coupé, arrête de manger, va payer les factures. Voilà, c'est bien. Comme ça, on est sûr. On ne coupera rien. Allez. Voilà, niveau 4 de la réflexion. Mais arrête de me parler. De toute façon, il va falloir qu'on se dispute arriver à l'adolescence. Alors, peut-être pas la peine qu'on devienne les meilleurs amis du monde. De toute façon, ils écoutent rien de ce que je leur dis. C'est censé être moi qui joue avec eux, mais en réalité, c'est eux qui jouent comme ils ont envie. Voilà, c'est ça. Fais ton projet scolaire. Vas-y, laisse-moi tranquille. On va aux toilettes. C'est parti. Hop! Allez, allez. Une petite sieste peut-être. Non, on va continuer à bosser un peu, comme ça on va attendre d'être bien fatigué pour aller la coucher. Vu qu'il est que 16h et que j'ai aucune chance de les voir se coucher tout de suite. Alors. On va pas aller au festival, non. De toute façon, je sais pas y aller toute seule. Et... C'est bien, ramène des sous. C'est même pas ce que j'ai dépensé en facture et en réparation d'objets. C'est vraiment pas gagné. Hein. Bon. Allez, avant de piquer la crise, on va demander à manger. La chaise haute est occupée. Ah, putain. Hop. Demander à manger. Tiens, le père est là. Et puis après, on ira au dodo. Ah, il veut pas, il se barre. Putain.
demander à manger à la mère. On va essayer autre chose. Voilà. Très bien. Ah bah non, elle va pas me donner à manger. Au secours. Où il est le père? Ici. Je vais manger. Demander à manger. Quand t'auras fini de sortir les poubelles, tu pourrais me nourrir, s'il te plaît? Allez. Tu peux le faire. Allez. Allez, vas-y, t'y es presque. Voilà, encore des biscuits. Donc après, je vais avoir une petite crise de nerfs. Tout est normal. C'est pas grave, de toute façon, je vais aller dormir. Allez, on y va. Elle pourrait aller se coucher, elle, là, au lieu de dormir. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle sort du lit, c'est bien. Pourquoi je suis debout? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, parce que je m'écroule. Allez, au lit. Non mais tu te rends compte de ce qu'ils me font subir, sérieusement? Ils me nourrissent quand ils veulent. Pff, c'est compliqué quand même. Hein. Il est temps, hein. Franchement, j'ai vraiment hâte de changer d'âge parce que bon ben c'est quand même trop dépendant des parents. Et quand on sait à quel point les Sims ne sont pas du tout obéissants et qu'ils font jamais ce que tu as besoin qu'ils fassent, bah du coup, t'es coincé quoi. Allez, on va accélérer un petit peu. Allez, allez. Ah, pourquoi je suis en pause? Je sais pas. Allez, on y va là. Allez, un petit lag, bon, c'est rien. Ah, il y en a 3 sur 4. C'est bien. On frôle la perfection. Allez, allez. Non, bah, il veut pas aller dormir. Ça sert à rien. Dormir, c'est... Ah bah la télé est cassée. Oh, ça a coûté combien ça? Oh, oh bah c'est fini pour la télé, hein, je vous le dis. Hein. Terminé. Hein. Ah oui, si, j'ai le droit d'utiliser les parents pour réparer les objets. Mais je remplace pas une télé à 1700, hein. Vous rêvez, les gars. Même pas en rêve. Non, non, y a pas de sous, là. Je vous rappelle qu'on se tape 750 simflous de factures par semaine, que vous devez gagner même pas 150 chacun, c'est bon. J'aimerais bien qu'on se retrouve pas en banqueroute alors que je suis même pas encore en stade enfant, quoi. Allez. Oui, il y a un fantôme, enfin il y a un monstre sous le lit, ça arrive. On va pas en faire une maladie. Tant que tu me réveilles pas. On va dormir ailleurs, écoute. Demande à tes parents de faire quelque chose. Allez sur le pot. C'est fou, ça fait 40 fois qu'il va aller chercher, il n'y en a pas un qui se lève pour venir voir. Ah quand même, ah non, elle se barre. Je sais pas où il est parti. Elle va chercher tes parents, mon petit. Bon, laisse tomber, vite à vie. Ah ouais, t'as réveillé tout le monde, mais il n'y en a pas un qui vient voir ce que t'as, quoi. Ah quand même, ah bah non. Non, elle vient pas voir ce qu'il y a, elle vient de piquer ton lit parce qu'elle, les monstres, elles s'en fichent. Voilà, normal. Ah bah voilà, ils viennent tous tester le lit. Genre, regarde, tu crains rien, on peut dormir dedans. Royal. Bon. Je sais pas quand est-ce que tu vas dormir, mon grand. Eh, on va aller aux toilettes, ça évitera de se faire dessus. Voilà. Après, on va essayer de se trouver quelqu'un pour manger. On peut pas. Ah bah, il n'y a plus personne.
Ils dorment. Bon bah. Tant pis, on mangera pas. Ça va, c'est pas trop grave, on est encore dans le verre. On va attendre qu'il se réveille. Ah bah, il va partir au travail. Alors attends, attends, attends. Avant que tu partes, il faut absolument que tu me donnes à manger. Parce que la nounou, elle donne rien. Tu veux pas? Bon, et ton père? Allez. J'ai peur qu'il me pose dans la chaise et qu'il se barre. Je sais pas pourquoi. Allez, mange vite tes céréales et demande à descendre. Il travaille pas, cet homme-là. Ça fait 2 jours qu'il est là. À 13h, il travaille, c'est ça? Ouais, c'est vrai, il travaille à 13h. Bon. Allez, on va finir la réflexion pendant qu'on y est. Allez, on est parti, on finit. Ah, il faut toujours qu'il vienne me taper la discute, quoi. C'est, tu peux pas rester, vivre ta vie, réparer la télé, je sais pas. Mais arrête de me parler. Bah tiens, va réparer la télé, parce que j'ai le droit de te faire réparer la télé. Réparer. Allez, va bosser un peu. Ça évitera que tu me déranges. Allez, allez. Ouais, bravo, magnifique. T'es trop fort. Allez, nous on continue. Tu n'oublieras pas d'aller travailler quand même parce qu'on a besoin d'argent. Et là, moi, je peux rien faire. Il est astronaute, oui. C'est normal. Dans les Sims, tu peux être astronaute, père de famille. Et tout ça en même temps, et être là tous les soirs pour manger à la maison.